Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah rakoum kamlah. Et oui, je suis de retour, merci de confier l'année sur ma chaîne YouTube. Voilà, ni'aoutoulit. Qui m'a chouftou, je me suis absentée pendant quelques semaines. En fait, j'ai pris une petite pause, mais les réseaux sociaux. Ma'a kamel ou chsalna en ce moment, l'hariq, l'mout, l'rabat ou koulouch. Je voulais vraiment m'éloigner, je voulais prendre une pause, que ce soit sur Instagram ou même l'année sur YouTube. J'en pouvais plus. Ma gdeb chalé, comme ma koutaba nzin sma walou, ma koutaba nzin chouf walou. Genre, j'étais vraiment à un stade winner. Là j'étais saturée et du coup j'ai pris une petite pause, je me suis reposée, alhamdoulilah ya rabbi, je me sens bien, donc rani aout wlit en force. Donc voilà, alors liouma rah ndirlkom une vidéo les demandait tou ali bel bzaf, franchement je m'attendais pas. Les commentaires kamel manel dirina la vidéo ala la collection de sa guest tag, nhabbi nchoufou les modèles li عندك. Et du coup liouma j'ai décidé de faire head la vidéo pour vous faire plaisir. Alors, il faut savoir que j'ai une énorme collection, mais j'ai quand même pas mal de sacs et pas mal de pochettes de la marque Guess. La marque Guess, c'est pas une marque de ouf. Voilà, je vous le dis directement. J'ai remarqué au fur et à mesure qu'ils voulaient acheter les sacs terribles. J'étais un petit peu déçue de la qualité des sacs Guess. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, les sacs commencent à s'effriter rapidement. Et franchement, j'ai pas compris. Lèche, pourtant, c'est un sacré budget, les sacs Tawaham. C'est des prix, voilà. C'est des sacs à 20 000, 30 000 dinars, 40 000 dinars ou même les fourrat. Et du coup, j'étais un petit peu déçue de la qualité. Donc voilà, je préfère mille fois les sacs Michael Kors parce que la qualité de Tawaham dure beaucoup plus longtemps que les sacs Guess. Donc voilà. Je m'insiste chez les sacs Guess. Si. Parce que c'est une marque que j'aime, mais je vais plus acheter autant qu'il m'a coûté avant. Parce que vraiment, je vais acheter tout le temps les sacs Guess parce que c'est une marque que j'aime, que ce soit les vêtements ou la même les sacs. Mais donc qui voulait te chouffer les sacs terribles, de vite chaud rapidement et tout. Et pourtant c'est des sacs jadid, mais le bistamch camel, genre d'artlé. Genre je me dis peut-être que le prix à la fin le sac terrible, il va être cher et tout. Enfin bref, donc le واحد يدير واش يحب. نحبيت برك نمدلكم un petit conseil qui m'a hakka on fahmkom par rapport les sacs hadouma, c'est pas du cuir, c'est du simili cuir là, je sais pas. Donc voilà et mais bon, en tout cas, c'est des sacs l'inhabam ou m'adelanaya et c'est une marque quand même tanique l'inhabha, mais je hanzid nou l'inchri autant qu'il m'a compte avant. Donc voilà, hada ma kanch habit nqolkom, sinon donc on va commencer tout de suite. Alors en premier, Andy head le sac de chez Guess que je trouve super joli d'ailleurs. J'ai une noire qui m'a la comme tout fou. L'année qui est une, le logo Guess haka en doré. Et en fait, le sac j'ai brodé l'année fait des fleurs. Il est juste sublime. Mais l'or j'ai simple, fait juste un zip. Mais sinon, l'année j'ai camel brodé. Je sais pas d'où il vient comme ou là. C'est un fourre-tout. Donc voilà, c'est un sac qui est assez grand. Donc il fait pas mal de choses. Mais en tout cas, il est magnifique parce que les détails Tao Jayin en doré, voilà, belle combien, j'adore le noir et le doré. Et franchement, il est magnifique. En vrai, il est beaucoup plus joli qu'en caméra. Donc voilà, où le derrière, j'ai vraiment kibel. Donc nous regardons à peu près Bushchofo. Le truc Tao Tagess et tout. Donc voilà, j'ai vraiment kibel où il fait pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est un sac qui est juste magnifique et je l'adore. Parce que le modèle Tao Bzef Bzef Shbub, ok, il est dans plusieurs couleurs, qui est même dans du bleu nuit et tout. Je voulais vraiment un sac noir à Kab Shiji Makulish. Le deuxième sac, donc Haouli Kifesh Jay, il est trop classe, head le sac. Vraiment, je l'adore, il est magnifique. Donc, Jay, effet serpent qui m'a la comme tout fou dans du gris et du blanc, magnifique. Je le trouve tellement classe avec un ensemble et tout. Oh là là, magnifique. Donc, l'année qui est une plaque qui m'a la comme tout fou, une m'ktoufée à Guess. Donc, voilà. Les détails Tao, Jay, argenté. L'année technique qui est le Guess et tout. Melor Jay simple avec un zip qui m'a la comme tout fou. Mais elle, où je dis, mais elle, en fait ma oulit n'elbis bzaf les sacs kbar qui m'a haka pour tous les jours, oulit n'elfait tout ce qui est petite pochette, petit sac et tout. Donc c'est pour ça que je fous la plupart de mes sacs avec l'étiquette, parce que m'elbis bzaf hadou mal kbar, à part qu'il y a un déplacement ou là n'elfait des sacs kbar haka pour n'hat fihom le dakhil 12 années. Mais sinon pour tous les jours ma oulit n'elbis ce genre de sac. Donc voilà, mais en tout cas c'est un sac qui est juste magnifique, trop classe. Il est assez grand, il fait pas mal de choses. Donc nous allons comme le derrière, alors nous allons y attendre fait le truc terreau avec le cache. Donc voilà, mais sinon il fait vraiment pas mal de choses. Et le modèle est juste magnifique, je l'adore, head le sac, j'adore tout ce qui est motif animalier, j'aime trop.
Le troisième sac, c'est un sac d'été. Alors là, la couleur est juste sublime. C'est un rose bonbon magnifique. Je ne suis pas très couleur flé sac et tout. Mais c'est un sac fourre-tout qui m'a la comme tout fou. Donc voilà. Fait les détails en doré. La couleur qui m'a fait un aya. Mais c'est vraiment un rose qui est juste sublime. Donc l'année qui est le guest qui m'a la comme tout fou. Donc voilà. Mais il est simple. C'est pas un sac qui est rigide, j'ai tel qu'au qui m'a comme tout fou. L'ennaya, voilà qui fait yitrlaq. Voilà, ou le dakhl, vraiment il est énorme. Voilà, il est vraiment énorme. Fait pas mal de poches et tout. Qui est même le pochon théo l'année, les pochons toujours les sacs théoï. Mais en tout cas, c'est un sac d'été trop trop joli. Par contre, à d'amar de chine le psofchita parce que la couleur c'est une couleur voilà qui tape. Voilà, j'adore être la couleur. Et puis voilà, c'est un très très joli sac. Le quatrième sac, Haulik, qui fait j'ai. Alors là, le sac, je l'adore. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Il est juste sublime, que ce soit la couleur, la forme. Vraiment trop trop joli. Un effet croco. Ma bichdaoui, ben comme là, là. Et en fait, j'ai dégradé. C'est un gris clair. Au fait, genre du dégradé, je suis à café foncé. Franchement, magnifique. Les détails, Tao, j'ai une argentée. L'année qui est le pendentif, guess. L'année qui est le guess. M'lor, il est simple. Qui m'a la compte. Donc voilà, vraiment il est magnifique le sac, surtout la forme, j'adore la forme. Donc voilà, et en fait il fait pas mal de choses derrière parce qu'il est grand, donc nous le welcome. Mais franchement il fait vraiment pas mal de choses, chauffeur. Il est énorme, toujours le pochon taoul derrière qui marque comme un hat comme les pochons les sacs taoul et pour les protéger techniques. Mais en tout cas c'est un très très joli sac, vraiment il est magnifique. Le cinquième sac, il est trop beau, il est magnifique. Je vais vous dire que c'est magnifique, c'est trop beau. Allah, c'est mes sacs, je vais vous dire que c'est trop beau. Mais en tout cas, c'est le modèle, franchement, trop, trop, trop joli. J'adore la forme, j'adore le détail, le dessin avec un effet de serpent qui m'a haka. Franchement, juste sublime, je le trouve très, très classe. J'ai dans un gris clair. Oui, c'est un gris très très clair, donc voilà. Et sinon, les détails théoténiques, j'ai une argentée, l'année qui est une plaque, une moktoufée à guest, avec la petite clé, l'ennaya. Donc voilà, la technique mazel, ou je dis mazel, le bestouche. Franchement, j'ai pas eu comme l'occasion de profiter de mes sacs terry. En fait, rel zoucht, rel en voyage et tout, rel outoulit. J'ai le Covid, mais je n'ai pas sorti, ni sahrat, ni tahouas, ni rien du tout. Donc franchement, j'ai pas eu le temps de profiter de mes sacs terry. Mais bon, c'est pas grave. Allah al, c'est comme ça. En tout cas, le sac, il est trop beau. Haulik Mlor, il est simple. Fait juste un zip, donc fait une poche. Tanik, il est énorme. Il fait pas mal de choses. Donc voilà, fait plusieurs compartiments qui m'a comme tout fou. Mais en tout cas, c'est un sac qui est très très classe. Donc voilà. Hadama et le bushma, genre. Jogging ou là de ta costume ou là de ta pantalon chbab et tout qu'on nous l'absine bien tel vidéo ce genre de sac, donc voilà. Mais sinon magnifique, j'adore le modèle. Le sixième sac, Haulik Fesh Jay, c'est un bleu roi, mais franchement trop joli, vraiment il est belhead le sac. Alors là la couleur c'est une tuerie. Donc il dit que la forme taro qui fait jay waqf, l'année qui est le guess, l'année qui est le pendentif guess qui m'a raconté tout fou. Les détails taro jayin en doré, voilà, l'or il est simple. Qui m'a raconté tout fou, et en fait il a commencé à s'effriter les côtés l'année et j'étais dégoûtée parce que melbestouche kamel, ou bda yitqashar, franchement, qalibahbelt. Mais bon, donc il m'a raconté tout l'année qui est les anses et en fait Tanik fait le derrière une bandoulière. Donc nous aurons le compte de l'option Tanik en crossbody. Donc voilà, genre derrière le côté qui m'a raconté. Ou le derrière Tanik, j'ai kber, il fait pas mal de choses. Franchement, j'ai été dégoûtée parce que la couleur bzef chaba, le modèle bzef chbab. Ou bien il trichait les flics côté. Bon, mais ben je bzef. Voilà, mais ben je bzef. Mais en fait, elle a un chauffe-eau. Donc voilà, et ça me dégoûte. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas c'est un très très joli sac. Et pour le dernier sac, on va passer aux pochettes. Donc Haulik, le sac Kifesh Jay, franchement c'est mon coup de cœur Haday, il est trop beau. Jay en rose très clair avec des cœurs lané akbar qui m'a raconté fou. Les détails Tao Jayin en doré, trop joli. Vraiment c'est un magnifique sac, m'lor fait une poche.
Oh là là, j'aime trop le sac. J'ai même la pochette Théoli, donc tu vois, il est énorme. Il fait pas mal de choses qui m'a raconté tout fou. Mais franchement, le modèle est trop trop mignon. Il est trop cute le sac, je l'adore. Là, on va passer aux petites pochettes et petits sacs. Donc voilà, Théoli, le petit sac, il est comme elle est. Franchement, trop joli. Donc j'ai assorti ma le grand sac. Voilà, canou un ensemble ou adjoint fils ou auditant directement parce qu'adjoint bilbezef. Donc Théoli, le grand sac ou Théoli, le petit sac. C'est pas une pochette, c'est un petit sac. Donc voilà, les détails Théo, Jane en doré, qu'il y a le guess, le cœur, l'Henaya et tout. Qu'il y a même une petite déco l'Henaya, qu'il y a un point d'interrogation qui m'a raconté trop joli. Qu'il y a la chaîne de Nick Théo. Donc voilà, Bushetter d'or. Il fait pas mal de choses avec le petit sac. Donc voilà, fait pas mal de poches et tout. Trop joli, j'adore. C'est la même couleur que le grand sac, c'est un rose très très clair. Franchement, magnifique. Ou mais alors, je dis, mais même pas le besto, je sais tout complètement. Ensuite, Andy aide le petit sac de chez Guess. Là, je pense que je fais déjà qui date comme le haul Wishrit Min Dubai. Là, je l'ai acheté Min Dubai. Il est trop beau, aide le petit sac. J'ai un marron. Je suis allée le camel. Trop joli, l'année Kane le GG un peu partout, genre j'ai gravé, l'année Kane le guess, Mlor il est simple, mais elle ne besto chahadaya. Donc voilà, j'ai les détails tao argenté, fait une anse l'année ou Kane Tanik, la bandoulière, tabout le pso en crossbody, où il fait pas mal de choses. Donc voilà, franchement il est trop beau, head le petit sac. Vraiment magnifique, j'adore la forme et même la couleur. Ensuite, un détanique head, le petit sac. Il est trop beau. Fait plusieurs couleurs. Donc, l'Anea, c'est du blanc. L'Anea, c'est du bleu. Umlor, l'Anea, c'est du top. Vraiment trop joli, head, le petit sac. L'Anea qui a une deux énormes strass. Donc, voilà, avec le petit guess. L'Anea fait les détails argentés. Donc, fait tanique la bandoulière Théo. Vidéo en chaîne, donc voilà, Howlick qui fait Jay, trop trop joli, tandis qu'elle fait pas mal de choses et d'achal, voilà. Mais elle où je disais d'avoir jamais le bestouche gars qui m'a raconté tout, mais elle l'étiquette, mais c'est tout complètement. Franchement, les sacs taille, moi je gagne le bestouche parce que tout le temps le même sac, on a pas au domaine d'acna ou nerf d'eau et ainsi de suite. Je n'ai même pas le temps, je me délou là, mais en tout cas, bzef, je peux mettre le petit sac trop mignon. Ensuite, Andy head la petite pochette que je trouve tellement classe, elle est juste sublime. C'est une petite pochette Lijaya pailletée qui m'a raconté tout fou. Donc l'Anea Kemel pailletée ou l'Anea Mshijaya pailletée, Jaya normal en cuir. Fait des strass, des perles et tout. L'Anea qui est le petit guess. Voilà, Lord Jaya simple. Ma belle guitare est belle comme l'Anea, mais en tout cas, elle est trop jolie. Haylik, derrière Haylik, je l'ai portée pas mal de fois par contre. Bzef Shabba portée. Alors là, elle est magnifique. Fait à la chaîne Taha, voilà qui m'a raca. T'habout le soura, oui là, ou le t'habout le soura en deux qui m'a raca. Ou déroha, voilà, t'habout comme. Mais en tout cas, c'est une très très jolie pochette. T'habout, j'ai un camel noir, ou même les paillettes, j'ai une noire, genre il brille ou juste mal à la lumière. T'habout, la petite pochette, je l'adore. Ensuite, Andy a de la magnifique pochette que je trouve tellement jolie, tellement classe. Alors là, la couleur, oh, j'aime trop. Genre, c'est un beige derrière, je suis allée le rose. Très jolie couleur. Fera le motif guess un peu partout. Ma biche d'aoui, belle comme là. Les détails de Tawhajin, genre argenté, je suis allée doré. Un beige que je fais comme. L'Anea qui est le guess, qui est une chaîne énorme. Jaya Hapam, l'or Jaya simple qui m'a raca. Ou t'hel qui m'a là. Donc voilà, il dehors qu'il fait pas mal de choses. Kain tanik une chaîne les terf doit qui terf doit en cross body ou les tabou terf do la pochette la flamante comme qui m'a habit ou hakda genre par exemple ou les deroha qui m'a hakda ou les c'est comme vous voulez le tabou terf doit la chaîne taha. Mais en tout cas la couleur est juste magnifique. T'as de la pochette qui a même le sac, mais je voulais vraiment prendre la pochette parce qu'elle est tenue bzaf. Ensuite Andy a de la magnifique pochette rouge que je trouve tellement jolie, tellement classe. Elle est simple, mais franchement elle est magnifique, vraiment. J'ai eu les détails tawha en doré, fait à la chaîne taha, t'habou terf doha, la chaîne taha, ou t'habou terf doha, juste fit comme kima haka. J'ai eu genre hapa haka, mais je t'arrête, ben comme l'année qui est le petit guess,
qui m'a raconté, je fais quand même pas mal de petites choses, genre les clés, téléphone, porte-monnaie et tout. Donc voilà, vous allez acheter d'acquérir la couture, vous allez quand même le bestiage. En tout cas, elle est trop jolie, la petite pochette rouge. J'adore la couleur, vraiment, c'est une très très jolie couleur. Et en dernier, le magnifique petit sac à dos que je trouve tellement joli. J'ai en rose très clair, j'aime trop. Vraiment, il est magnifique avec les détails en doré et tout. Trop trop joli. Alors, il est simple. Mes alouchetés, mes amis bistouches. Ah non, j'adore les sacs à dos pour les voyages. Je m'en ai fait, je fais des amadèches et tout pour les voyages. Mais ni voyage ni de maléon. Donc voilà, ni à d'aff d'agène qui tout. Donc voilà, pour les voyages et tout, au moins le fait de Maya. Mais franchement, il est très très joli. J'adore la couleur, surtout le rose HDA. J'adore le rose très clair qui m'a haka avec les détails en doré. Donc là, il y a le petit guess, il est qui m'a haka. Donc voilà, ou Haolik, il est fait vraiment pas mal de choses. Donc voilà pour le petit sac à dos. Donc voilà les copines pour la vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu ou mettre ça où je t'annique, t'abonner ou ma chaîne YouTube, ça m'encourage encore plus à faire des vidéos. En tout cas, pour le je le sac là, du coup, en commentaire, car je les messages, t'as comme les commentaires. Inch'Allah, moi, la vidéo, à mes accessoires Guess et Michael Kors, tout ce qui est mule, tout ce qui est lunettes, tout ce qui est montre et tout, car je suis comme après une idée. Et puis voilà, Inch'Allah, la vidéo est tout comme je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.